Bonjour et bienvenue sur LCI dans le Point des idées, comme chaque dimanche. Très heureuse de vous retrouver en partenariat avec le Point. Bonjour Étienne Jernel. Bonjour Sonia, bonjour à tous, bienvenue. Alors, penser, c'est comme se dépenser, c'est excellent pour la santé cette semaine. Le prof de gym se nomme Jérôme Fourquet. Bonjour Jérôme Fourquet. Eh oui, on ne vous l'avait jamais fait ça, le prof de gym. Géographe, politologue, directeur du département opinion de l'IFOP, sondeur donc et sondeur de l'âme des Français. Alors, il n'aimerait pas cela, mais le fait est qu'on le consulte aujourd'hui un peu comme un oracle, un sourcier, on va dire, un anatomiste. Parfois, il est l'auteur de nombreux essais, dont un best-seller absolu, L'archipel français, publié au Seuil en 2019. Et son dernier ouvrage, le voici, le voilà, avec Marie Garrietzo notamment, se nomme Immersion, enquête sur une société confinée, coédité par Le Seuil, la Fondation Jean Jaurès et Le Point. Oui, parce que c'est comme ça, on travaille souvent ensemble, il faut le dire. Alors, Jérôme Fourquet, on a une question que Sonia et moi posons de manière rituelle à nos invités. En général, c'est plutôt en fin d'émission, on leur demande, mais après la pandémie, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir les années folles ou la guerre civile? Alors on se dit, à vous, on avait envie de la poser au début, parce que peut-être que vous avez des arguments un peu moins émotionnels ou un peu moins impressionnistes que les autres, avec des faits. Guerre civile, Movida ou... Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Peut-être la reprise un petit peu du cours antérieur, avec certes une partie de la population qui a pu épargner pendant ces longues périodes de confinement, et qui va sans doute se rattraper en termes de loisirs et consommation. On arrive aux vacances d'été, donc je pense qu'un certain nombre de destinations vont être celles qui seront autorisées, seront prisées, que certains vont faire chauffer la carte bleue, comme on dit. Puis, donc ça va être bien pour les riches. Oui, on peut penser, voilà. Ouais. Et pour une autre partie de la population, ça va être un petit peu plus compliqué. Et pour ce qui est de la guerre civile, je pense qu'on n'en est pas là, bien heureusement, même si, bien évidemment, les fractures sont toujours très vives dans la société française. On a cette attaque à Rambouillet il y a quelques semaines seulement, ces manifestations de policiers sur lesquelles on reviendra peut-être à l'heure. Donc il y a une montée. Quand on interroge les Français, beaucoup adhèrent à la thèse qui a été défendue notamment par le ministre de l'Intérieur sur un ensauvagement de la société. Donc tout n'est pas rose, mais on n'est pas non plus dans ces deux extrêmes encore pour l'instant. La crise sanitaire a aggravé, vous l'avez dit, les fractures qui existaient déjà dans notre pays, notamment le décrochage des plus fragiles. Est-ce que vous craignez un déconfinement des colères qui mijotaient, comme le disait il y a 15 jours dans le Point des idées Jean-Claude Kaufmann, le sociologue, ces colères qui mijotent en fait depuis un an, comme ça, à bas bruit, elles sont un peu anesthésiées par la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un risque là, avec la sortie de crise qui se dessine, qu'elles explosent? Alors, il faut être toujours prudent sur la météo sociale, parce que c'est quelque chose qui est difficile à prévoir. Nous, on pense à l'IFOP que il n'y aura sans doute pas de mouvement très violent ou très puissant dans les semaines et les mois qui viennent, puisque les Français ont du temps perdu à rattraper. On a vu toute la polarisation sur les fameuses réouvertures de terrasses. Nous arrivons maintenant en période de vacances et je pense qu'une majorité de nos concitoyens aspirent d'abord à profiter de la belle saison, des vacances, et donc que la colère sera sans doute peut-être pour plus tard. Sur le plan social, il n'est pas exclu qu'on ait des mouvements assez violents, mais qui seront circonscrits dans les entreprises où des plans sociaux vont avoir lieu, un peu comme ce que nous avions observé en 2008 lors de la précédente crise, où dans telle ou telle usine, on avait séquestré un cadre dirigeant, dans telle autre, on avait menacé de faire sauter le stock de produits chimiques. Quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on arrose tellement l'économie d'aide publique, et puis visiblement Macron n'a pas l'air pressé de retirer. Non, ça, ces aides. On peut faire une prédiction, c'est que le quoi qu'il en coûte, même sous un autre nom, va durer jusqu'au 10 mai 2022, c'est assez sûr. Et donc, on a quand même, par rapport à d'autres pays, un modèle de protection sociale qui est relativement efficace, qui a été encore renforcé et qui maintient hors d'eau une grande partie de la population. On a évidemment des fractions de la population qui, elles, ne sont pas couvertes par ce modèle de protection sociale. Je pense aux gens qui sont en intérim, ceux qui sont sur des contrats courts, etc., etc. Les jeunes. Et ce public-là, lui, va déjà en difficulté, mais ce n'est pas forcément celui qui est le plus organisé et qui est en général le plus moteur dans les mouvements sociaux classiques auxquels on assiste. Donc soyons prudents, mais
on peut faire plutôt l'hypothèse qu'on est là sur une période de rattrapage du temps perdu et que avant de se mettre en colère, beaucoup de Français ont envie de profiter des beaux jours. La colère viendra peut-être plutôt dans les urnes que dans la rue, dans les mois qui viennent. Mais alors, vous avez dit dans une interview au Point qu'il faudrait que la crise dure très longtemps pour qu'elle ressoude les gens. Parce que parfois, il y a un réflexe légitimiste dans les grosses crises, les guerres par exemple. Hein, c'est Macron qui a utilisé ce vocabulaire, pas nous. Mais est-ce que la crise a duré assez longtemps pour créer une forme de solidarité ou en tout cas de forger un destin commun, une communauté nouvelle de cette France archipélisée que vous avez décrite dans votre livre? Je pense que, heureusement, elle n'a pas été assez longue, cette crise, pour créer une adversité telle que tous les Français fassent bloc. On voit bien que, sur certains sujets, il y a des lignes de fracture qui sont évidentes. Vous parliez tout à l'heure du spectre de la guerre civile. On a en fait plusieurs Frances qui sont hantées par plusieurs spectres. Et il y a une dizaine de jours, on a eu de nouveau des grandes manifestations pour les changements d'orientation en matière climatique. Et au même temps, se préparait la grande manifestation des policiers. Donc on a ces deux spectres, le grand effondrement climatique ou la guerre civile sur fond d'ensauvagement de la société. Donc ça continue de planer et ça montre bien qu'il n'y a pas un imaginaire commun qui s'est forgé à l'occasion de cette... Donc il n'y a pas de France d'après. Alors, on a parlé du monde d'après, en racontant beaucoup de bêtises d'ailleurs. Oui, alors... Nicolas Hulot nous racontait le village dans les nuages avec Casimir, et puis, mais il n'y a pas de vraie France d'après où il s'est créé quelque chose de nouveau, où plus rien ne sera jamais comme avant. Alors, ça, c'était vraiment faux. Nous, ce qu'on a observé dans les enquêtes qu'on a menées, notamment pour Le Point, lors du premier confinement, c'est que ces confinements, parce qu'à l'époque, il n'y en avait eu qu'un, ont plutôt eu comme fonction celle d'un catalyseur qui serait venu accélérer un certain nombre de transformations et de mutations qui étaient déjà préexistantes. Je pense par exemple à la question de la sensibilité écologique renforcée dans la population, à la question de la digitalisation de nos modes de vie, avec tout ce qui est le télétravail, la livraison à domicile, etc., etc. Donc on aura bien évidemment une France demain qui économiquement sera quand même assez sensiblement différente à celle qui prévalait il y a encore un an et demi, avec des secteurs qui sont sinistrés. On pense notamment, par exemple, au secteur du transport aérien, alors qu'il allait très bien. Mais ce n'est pas un paysage ou un monde radicalement nouveau qui serait sorti des flots. On est plutôt sur une accélération, une amplification des phénomènes qui étaient déjà à l'œuvre préalablement. Est-ce que cette pandémie a ancré dans l'esprit des Français l'idée du déclin de leur pays? Alors là aussi, c'est une vieille idée, le déclin français. Mais sans doute que pas mal de Français l'ont touché du doigt à l'occasion de cette pandémie, cette idée du déclin s'ancrant notamment sur la prise de conscience de l'ampleur de notre désindustrialisation. Et vous vous souvenez, la carence ou la pénurie de masques, ensuite de tests. Et puis pas de vaccin. Alors au pays de Pasteur et au pays de Sanofi, c'était quand même... Le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU du Conseil de sécurité qui n'a pas de vaccin. On avait vu dans cette enquête... que quand le gouvernement pensait avoir trouvé la parade en termes de communication lors du premier confinement, en disant « ne vous inquiétez pas, nous avons organisé un grand pont aérien pour nous approvisionner en masques ». Et les Français disaient « mais attendez, le pont aérien, il vient de Chine pour aller en France ». Historiquement, il partait de France pour aller vers les pays du Sud pour apporter de l'aide. Et donc ça a été vécu comme un signe assez criant du déclin français. De la même manière, nous avions acté collectivement depuis un moment que, économiquement, un fossé s'était creusé entre la France et l'Allemagne, mais nous étions là encore collectivement convaincus que nous disposions du meilleur système de santé du monde. Et ce meilleur système de santé du monde, il a certes tenu grâce au courage et au dévouement des personnels soignants, mais on a été proche de la catastrophe et on a souvent été en état de saturation. Et donc là aussi, les Français ont été sidérés de constater ça. Et alors, ce qui est fascinant, c'est Houellebecq avait raison. On va lire là une citation de Houellebecq. C'est au début des particules élémentaires. C'est en 1998, donc ça date un petit peu. Le pays qui lui avait donné naissance basculait lentement, mais inéluctablement, dans la zone économique des pays moyens pauvres. En 98, il disait ça, Houellebecq. Il est fort quand même. Ah oui, il y a une vision tout à fait prémonitoire, et je pense qu'il sent particulièrement les évolutions profondes de notre pays.
On disait tout à l'heure, on se compare souvent à l'Allemagne. On a vu là que dans cette crise pandémique, par certains aspects, on ressemblait davantage à l'Espagne ou à l'Italie qu'à l'Allemagne, effectivement. Mais est-ce que les Français sont résignés ? Parce que quand on rencontre des gens, on en voit qu'ils sont très excités, que des chefs d'entreprise, des gens qui ont envie de faire des tas de choses, qui ont des tas de projets. Et puis en même temps, ces mêmes chefs d'entreprise qui vous disent « j'ai du mal à recruter ». Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tellement envie, qui sont plutôt dans le repli sur soi, le cocooning. Est-ce que pour le coup, si on reprend Houellebecq, celui de la carte et du territoire, où la France est devenue un pays de gîte pour les touristes indonésiens ou chinois, qui sont eux des pays industriels et riches, est-ce que les Français sont résignés à ça ? Je pense qu'ils ne le sont pas, ils en souffrent. C'est-à-dire qu'on prenait la comparaison avec l'Espagne et l'Italie. Ces pays-là ont collectivement intégré depuis des décennies, voire des siècles, qu'ils étaient en deuxième division. Nous, en France, jusqu'à une période très récente, on nous a expliqué qu'on jouait encore en première division, et donc le réveil extrêmement brutal. Mais je pense qu'il y a cette fierté nationale, cette volonté de poursuivre quelque chose qui demeure encore assez ancré chez beaucoup de nos concitoyens, si tant est qu'on arrive à la raviver. J'en veux pour preuve le psychodrame sur la question des vaccins, mais aussi l'extraordinaire engouement autour de l'aventure spatiale vécue par Thomas Pesquet, ce qui... Vous y voyez un signe d'ambition collective ? Alors, encore faut-il qu'on soit capable, au plus haut sommet, de la porter, de la réveiller, et puis, comme disait Ségolène Royal, de faire de la politique par la preuve, parce que c'est quelque chose d'avoir des postures incantatoires. Il faut ensuite que l'intendance suive. Et donc, il faut qu'il y ait un grand projet. Mais je pense que beaucoup de Français seraient disponibles pour ce type d'aventure. Vous parlez de chef d'entreprise, mais on voit aussi, dans le monde de la recherche, beaucoup de Français ont été heurtés d'entendre que une partie des chercheurs qui avaient permis le développement des vaccins dans d'autres pays étaient de nationalité française, avaient été formés dans nos écoles et nos universités. Et cela a beaucoup chagriné les Français. Donc le chagrin est un signe d'espoir. Voilà. Alors après, il y a un comportement qui est assez humain. C'est-à-dire que si on ne voit rien venir, on se dit, dans ce cas-là, on va se faire le repli dans la sphère individuelle, le fameux cocooning dont vous parliez, qui là aussi se portait bien avant le confinement, mais qui a encore été amplifié, des grandes enseignes de bricolage, d'équipement de la maison, d'équipement aussi du jardin avec les barbecues, les piscines, etc., etc., ont fait des chiffres d'affaires records. Et donc ça se porte aussi très bien en France, en attendant que le souffle de la grande histoire vienne nous réveiller. Dans son dernier livre, Emmanuel Todd parle d'un déclassement généralisé. Il parle, lui, d'un déclassement même plutôt uniforme. Est-ce que vous partagez cette vision assez pessimiste ? Alors, Emmanuel Todd utilise notamment des indicateurs qui ont lien avec le niveau éducatif de la population française. Et de ce point de vue-là, quand on lit Le Point ou d'autres grands magazines, quand on voit régulièrement le classement PISA tomber, là aussi, c'est un choc. Le classement des universités. Alors, le classement des universités, alors là, on peut débattre en disant... Et PISA, c'est plus là où est le niveau scolaire, c'est ça ? Les universités, on peut dire, maintenant, on est de nouveau classé parce qu'on a regroupé toute une série d'universités françaises et donc on a une masse critique. Mais sur le niveau en langue écrite, le niveau en mathématiques de nos élèves et étudiants, la France est quand même très, très mal classée. Et donc là aussi, dans notre imaginaire collectif, on avait un système de santé et un système éducatif qui était le plus performant au monde, qui nous coûte très cher. Et on voit que, comme on dit dans les entreprises privées, ça ne délivre pas le résultat escompté. Donc de ce point de vue-là, oui, on a une forme de déclassement généralisé, même si nous avons des filières d'excellence qui continuent de jouer en première division. Et donc là, il y a un fossé qui est en train de se creuser aussi en termes de références culturelles. On avait travaillé dans une enquête pour Le Point sur, pour moi, ce qui est une ligne de clivage nouvelle sur la maîtrise de la langue anglaise, par exemple, dans les jeunes générations, avec beaucoup d'étudiants qui sont dans des cursus sélectifs, les grandes écoles, ou écoles de commerce ou d'ingénieurs, qui vont faire la fameuse année de césure et qui évoluent dans un bain culturel qui est complètement mondialisé. Le reste de la population française, notamment dans les jeunes générations, continue d'être sur un référentiel qui est très, très franco-français. De ce point de vue-là, il y avait des choses qui étaient assez... intéressante. On a quelqu'un comme Benjamin Griveaux, qui était éphémère candidat de La République En Marche au municipal à Paris. C'est moi, mon objectif, c'est qu'à la fin de ma mandature,
tous les petits collégiens parisiens soient bilingues en anglais. À notre connaissance, c'est la première fois qu'on avait cette revendication pour une élection municipale, ce qui n'est pas condamnable en soi, mais vous aviez dans le même temps, quelques mois plus tôt, des gilets jaunes qui arboraient le numéro de leur département sur le dossard de leur gilet, ou qui avaient des drapeaux régionaux qui étaient dans un référentiel qui restait très très national. Si on utilise, vous savez, la grille de lecture qui a été mise en place par David Goodhart sur les fameux « people from somewhere », ceux de quelque part, et les « people from anywhere », cette grille est très pertinente pour analyser ce qui se passe, y compris chez nous, mais c'est un anglo-saxon qui l'a forgé. Et nous avons un handicap supplémentaire, c'est que même ceux qui sont de quelque part en Grande-Bretagne ont la langue anglaise comme langue maternelle. Oui, les nôtres, ils sont beaucoup moins connectés à cette mondialisation. Donc c'est, voilà, on a un déclassement, je pense, en termes de niveau éducatif. Et à côté de ça, des îlots dans l'archipel qui s'en sortent bien, qui, eux, sont connectés à la mondialisation et qui ont encore accès à un niveau d'études tout à fait satisfaisant. Malgré tout, Laurent Davzy, dans son dernier livre, qui s'appelle « L'État a toujours soutenu ses territoires », qui était au seuil encore la même maison d'édition, il dit, lui, que l'État n'a pas laissé tomber la France périphérique, au contraire, que l'État a investi à chaque fois dans les territoires qui se désindustrialisaient, que les transferts sociaux sont suffisamment considérables, et qu'en fait, c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de territoire abandonné. Il dit que l'impression ceux qui disent que les États les a abandonnés donnent l'impression que leur situation et leur date de sa politique ultralibérale, c'est une escroquerie démagogique. Il a raison, Davzy ? Alors, on a dit tout à l'heure, on a un État où il y a un pays où on a un très fort modèle social, et donc on a des transferts sociaux qui sont massifs. Pour la santé, on a parlé de l'éducation tout à l'heure, un secteur dont on parle moins, la retraite, c'est quand même colossal. C'est-à-dire que, et donc là, c'est du pouvoir d'achat qui est injecté dans de très nombreux territoires, parfois excentrés, mais où des retraités vont prendre leur retraite. Et quand on regarde objectivement, je pense que Laurent Davzy a raison, l'État central mène une politique de péréquation très forte, de manière directe et indirecte, et dans de très nombreux territoires, ne serait-ce que par la présence en nombre de fonctionnaires dans les hôpitaux ou dans les établissements scolaires. Il y a des transferts qui s'opèrent dans beaucoup de villes moyennes aujourd'hui. La mairie, l'éducation nationale et l'hôpital sont les premiers employeurs, suivis de près par le secteur de la grande distribution qui fonctionne avec de la consommation qui est pour partie assurée par les transferts sociaux qui sont effectués. Donc l'État a maintenu cette présence. Le sentiment de déclassement et de décrochage de toute une série de territoires a plutôt partie lié, on y revient, à l'ampleur de la désindustrialisation. Donc on est dans un pays anciennement colbertiste où l'État ne se mêle plus trop de questions industrielles. Et donc c'est peut-être ça qu'on peut reprocher à notre État stratège. Et aussi le fait que pendant des années, les choses étant enclenchées dans un cercle vicieux, l'industrie pesant de moins en moins, on a eu des arbitrages qui ont été en faveur d'autres secteurs économiques et on n'a pas baissé les impôts de production. Mais effectivement, le filet social plus la présence étatique et les transferts sociaux ont maintenu hors de l'eau, même si ce n'est pas forcément très glorieux, de très nombreux territoires. Parlons un peu de sécurité. Le sujet revient régulièrement à la une de l'actualité depuis quelques jours, depuis plusieurs semaines. Il y a eu cette manifestation de policiers cette semaine, vous y avez fait allusion tout à l'heure. Il y a une bataille de chiffres sur la réalité ou pas, comme d'habitude, de la hausse. Aujourd'hui, ce qui compte, c'était dans la rue. Donc voilà, les chiffres selon la préfecture de police, elle manifestait. Donc. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce débat sur la sécurité, l'insécurité ? On parle aussi de sentiment d'insécurité. Alors, on peut dire ça, oui. Alors, mais pour se mettre d'accord, on peut tous constater que, ou considérer que la sécurité, c'est d'abord un sentiment. Est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on n'a pas peur ? Mais c'est une réalité en soi, le fait d'avoir peur. Et donc, c'est après, est-ce qu'on a raison d'avoir peur ? Ça, c'est une autre question. On constate quand même objectivement que, si on prend par exemple les atteintes aux membres des forces de l'ordre, ces atteintes ont doublé en l'espace de 20 ans. Donc, il y a quand même toute une série de phénomènes qui sont préoccupants. Il y a trois séries de facteurs qui choquent ou qui marquent énormément l'opinion publique, comme si des verrous avaient sauté. Le premier, ce sont justement les attaques, parfois mortelles, dont sont victimes les forces de l'ordre. Les Français se disent, si même ceux qui sont chargés de nous protéger sont à leur tour dans l'œil du cyclone, c'est que vraiment le pays va très mal et que nous avons du souci à se faire pour notre propre sécurité. Donc il s'agit d'attaques terroristes, de règlements de comptes ou autres. Tout ça impacte fortement l'opinion publique.
Deuxième série d'événements qui se sont multipliés ces dernières semaines et ces derniers mois, ce sont les violences urbaines, avec des innovations technologiques, en l'espèce les tirs de mortiers d'artifice, là, qui systématiquement illuminent la nuit de nombreux quartiers de France. Et donc là aussi, ceux qui défendent la thèse du rien nouveau sous le soleil nous rappellent que les premières émeutes en France, c'est la fin des années 70 aux Minguettes. Oui. Sauf qu'à l'époque, c'est une ou deux nuits d'émeutes dans un quartier, et tout ça avait marqué les esprits. Là, aujourd'hui, c'est une à deux nuits d'émeutes chaque soir, quelque part, en France. Et donc, tout ça ancre le sentiment que des territoires entiers échappent à la République avec, derrière, un caïda qui s'instaure. Et puis, la troisième série de facteurs qui, là aussi, déstabilise beaucoup nos concitoyens, ce qui n'est pas totalement récent, mais qui marque beaucoup, ce sont les violences entre adolescents, mettant aux prises des jeunes. Ouvriers, par exemple. Voilà, ou encore cette semaine, deux morts à quelques jours d'intervalle dans deux communes très proches de banlieue. Et donc tout cela installe dans l'opinion l'idée que des verrous moraux ont sauté, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de s'en prendre aux policiers. Des jeunes de 14-15 ans pour une altercation sur les réseaux sociaux peuvent en venir jusqu'à se poignarder. Et donc tout ça accrédite l'idée d'un ensauvagement de la société. Est-ce que c'est lié à ce que vous avez dit, dans le point d'ailleurs, sur la France qui serait plus à droite qu'elle ne le fut par le passé? Est-ce que c'est lié? Est-ce que la France est tout... Et vous maintenez ça, c'est toujours le cas, globalement à droite aujourd'hui? Alors, cette question de l'insécurité n'est pas nouvelle. On se souvient qu'elle avait joué un rôle déterminant dans l'élection présidentielle de 2002. Sauf qu'elle est remise sur le devant de la scène et... ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que ces formes d'insécurité ont été suffisamment puissantes pour franchir le mur du son qui avait été installé pendant la période du Covid. Vous vous souvenez qu'on parlait que de Covid, et les seuls événements qui arrivaient un petit peu à faire du bruit, c'était ces événements-là. Ce climat de violence, cette montée de la délinquance organisée dans certains territoires, bien évidemment, nourrit une demande en retour de fermeté, notamment en matière judiciaire, et est plutôt favorable au courant qui se situe à la droite de l'échiquier politique. Donc, en ce sens, ça a nourri la droitisation de la société française. Qui est un fait, par ailleurs. De notre point de vue, qui est un fait. Il y a une belle étude de la Fondapol qui vient de sortir dans différents pays européens et qui montre que, là aussi, c'est un phénomène général. Alors, attention, quand on parle de droitisation, là, on est bien sur le sujet ou le segment de la sécurité. Sur les questions économiques et sociales, il n'est pas évident que le cœur de la France soit très très à droite, et nous constatons que le quoi qu'il en coûte et le fait de recourir à un endettement massif n'émeut pas grand monde aujourd'hui en France. Donc voilà, il faut s'entendre sur le concept de droitisation. On voulait vous entendre également, Jérôme Fourquet, sur le phénomène du wokisme. On en parle régulièrement dans le Point des idées avec Étienne, les réunions non mixtes de l'UNEF, un phénomène peut-être plus universitaire et médiatique que profond. Mais peut-on imaginer une archipélisation, qui serait fondée sur ces nouvelles identités, identités de couleur de peau, de genre, identité sexuelle? Alors, il s'agit d'un processus qui va alimenter l'archipélisation de la société, notamment dans certains milieux. Et nous avons réalisé à l'IFOP une étude pour l'Express il y a quelques semaines qui visait à mesurer le taux de notoriété d'un certain nombre de thèses de cette culture woke pour voir comment ça avait déjà ou pas imprégné la société française et si, pour ceux qui les connaissaient, ils se reconnaissaient ou pas. Et ce qu'on constate, c'est que certains thèmes sont aujourd'hui encore très très... précurseurs et n'ont pas encore atteint leur maturité. D'autres ont commencé à se diffuser et ils se diffusent à la manière de ce qu'on observe aux États-Unis dans les jeunes générations et notamment dans celles qui suivent des études supérieures. Donc on voit bien qu'il y a un foyer là-dessus et on a des référentiels qui, pour le coup, sont en train de diverger sur ce qui, pendant longtemps, était un constat partagé, qu'on soit de droite ou de gauche. Un couple, c'était un homme ou une femme.
question des identités de genre, etc., n'était pas absolument pas débattue. Si on élargit le propos sur la question de la place de l'animal, par exemple, dans la société française, là aussi, il y avait un consensus. Tout ça a volé en éclats. Donc le wokisme, idéologie importée, va contribuer à l'archipélisation supérieure. Une île de plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Jérôme Fourquet, on rappelle votre livre En immersion avec Marie Gariazzo et Gaspard Jaboulet, François Cros, Sarah Volbert, Jean Jaurès, Le Point et les éditions du Seuil. Évidemment, c'est formidable. Lisez-le, puis il y en a un prochain qui arrive bientôt. Restez avec nous sur LCI. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission avec la militante féministe et LGBT Alice Coffin, autrice du Génie lesbien. A tout de suite.